Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce premier lancement virtuel du manuel de référence de l'Association des architectes en pratique privée du Québec. Je suis Lynne Parent, directrice générale, et j'ai l'honneur de co-animer cet événement virtuel en compagnie de Julien Serra, notre directeur des communications. Cette animation se fait bien sûr en respectant les règles sanitaires. Nous sommes notamment à plus de 2 mètres. Effectivement, Lynn, bonjour. Bonjour à vous qui nous suivez aujourd'hui, que ce soit en direct ou lors de la rediffusion. Que vous soyez architecte, membre de la PPQ ou non membre, collaborateur de l'industrie de la construction, partenaire ou que vous vous intéressiez tout simplement à l'architecture, nous faisons tous partie de la grande communauté architecturale et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci à toutes et tous d'être virtuellement avec nous. L'avantage de la webdiffusion, c'est que nous ne sommes pas limités en nombre de places. Certes, nous n'aurons pas le plaisir de prendre un verre comme à l'habitude, ni déboucher, mais nous pouvons partager avec le plus grand nombre de personnes le savoir-faire des architectes et l'architecture de qualité. Effectivement, Julien, car nous sommes réunis ce soir pour célébrer la qualité architecturale et l'importance des architectes pour notre société. Ce rendez-vous virtuel sera plus court que le traditionnel cocktail de la PPQ. Nous serons ensemble pour environ 30 minutes et nous allons découvrir qui est le membre honorifique de cette année. Il sera d'ailleurs présent pour nous dire quelques mots. Nous découvrirons aussi quels sont les 25 projets sélectionnés pour être publiés dans le manuel de référence et quel est celui qui en fera la couverture. Nous vous annoncerons également le lancement de nouveaux contenus, alors restez à l'écoute. Oui, Lynn, nous avons essayé de préparer un lancement virtuel que nous voulons dynamique et ouvert au plus grand nombre. Donc, même si nous ne pouvons pas jaser autour d'un verre, nous vous invitons à réagir et à commenter en direct. Mais pour commencer, Lynn, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ni la PPQ ni le manuel de référence, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, certainement, Julien. Alors, la PPQ, c'est donc l'Association des architectes en pratique privée du Québec. C'est l'association qui regroupe et défend les intérêts de près de 380 bureaux d'architectes sur tout le territoire du Québec. Ce sont donc des entreprises qui proposent des services professionnels en architecture, que ce soit pour des clients privés ou des clients publics. Chaque année, la PPQ édicte une publication de qualité appelée le manuel de référence qui permet de mettre en valeur le savoir-faire des architectes en présentant 25 projets significatifs. C'est aussi un répertoire dans lequel vous pouvez retrouver tous les bureaux d'architectes ainsi que les partenaires de l'association. Merci Lynn. Donc sans plus attendre, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir la représentante du partenaire présentateur de cet événement virtuel qui va pouvoir nous dire quelques mots. Madame Joanne Pilon, vice-présidente régionale Fonds régionaux de solidarité FTQ, la parole est à vous. Bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je suis très heureuse de participer au nom du Fonds solidarité FTQ au lancement du manuel de référence de la PPQ. La situation hors du commun que nous vivons a obligé les organisateurs à repenser l'événement pour le remplacer par cette édition virtuelle. Mais c'est quand même une bonne nouvelle puisque pour la première fois, nous pouvons être réunis à travers le Québec. La pandémie a obligé les firmes d'architecture à relever des défis que personne ne pouvait s'imaginer. Vous avez dû faire preuve de créativité, d'innovation, mais aussi beaucoup de courage. Ces valeurs qui font partie de notre ADN sont notre source de motivation à soutenir des entreprises comme les vôtres. En effet, depuis 37 ans, le Fonds de solidarité FTQ a pour mission de contribuer à la croissance économique du Québec en finançant des entreprises d'ici. C'est pourquoi, en plus du fonds immobilier qui investit directement dans les projets immobiliers, le fonds offre du financement sur mesure aux firmes d'architecture pour leur permettre de réaliser leurs divers projets. En terminant, je tiens à féliciter toutes les firmes qui ont été sélectionnées dans le manuel. Vous avez su vous démarquer par la qualité de vos projets. Sur ce, bon lancement. Et merci beaucoup, Madame Pilon, pour ces mots et merci au fond d'être aux côtés des firmes d'architecture et de soutenir l'événement de l'association. Vous verrez également défiler pendant cette diffusion le nom des partenaires qui sont présents dans le manuel. La PPQ les remercie pour leur soutien et leur contribution à cette publication. Nous allons pouvoir maintenant passer, Julien, au premier segment de cette fin d'après-midi. Ceux qui sont des habitués du cocktail annuel de la PPQ le savent, nous célébrons chaque année une personne en lui remettant le titre de membre honorifique. Tout à fait, Lynn. Le membre honorifique, c'est une personne qui contribue à promouvoir la qualité architecturale de notre environnement bâti et à valoriser l'importance des architectes dans notre société. Donc, la PPQ le célèbre, en célèbre une personne tous les ans.
Pour remettre ce titre, j'ai le plaisir d'inviter Anne Carrier, présidente de l'APPQ, à nous dire quelques mots. Anne, c'est à toi. Merci beaucoup, Lynn et Julien. Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'est virtuellement. Je crois bien que nous commençons à nous habituer à cette situation. Alors, avant d'annoncer le nom du membre honorifique, j'aimerais vous dire quelques mots. Comme vous le savez, avec le manuel de référence, nous souhaitons d'année en année valoriser l'architecture de qualité. Je le dis souvent, l'architecture est partout dans nos vies. Elle raconte notre histoire et elle conditionne notre société. En façonnant nos milieux de vie, qu'ils soient privés ou publics, l'architecture influence notre rapport à l'espace, aux autres et à notre environnement. L'architecture, c'est aussi ce qui définit tout notre paysage, qu'il soit urbain ou rural. Avec ce constat, comment peut-on penser que la qualité architecturale doit être réservée à certains types de bâtiments? Quand on parle d'architecture ou du rôle de l'architecte, on en limite trop souvent la nécessité à des bâtiments d'exception ou luxueux, comme des musées ou des résidences de prestige. Je me souviens d'une remarque d'un donneur d'ouvrage public à l'occasion d'une rencontre d'échange avec la APPQ sur la qualité architecturale. Et je le cite. Il disait, n'allez pas me dire qu'un hangar requiert la même qualité architecturale qu'une bibliothèque. Nous lui avions alors expliqué que si la complexité d'un projet de hangar pouvait être moindre que celle d'une bibliothèque, la conception de l'architecte devait faire l'objet de la même attention que n'importe quel autre bâtiment quant à sa qualité, dans la réponse aux besoins des usagers, quant à son intégration au milieu et à la limite de son impact énergétique dans l'environnement. Pourquoi? Parce que chaque intervention construite a une durée de vie suffisamment longue pour marquer, pour le meilleur ou pour le pire, notre perception du paysage urbain ou rural. Alors que le gouvernement du Québec mise sur les infrastructures publiques et l'industrie de la construction pour participer à la relance de l'économie durement touchée par la crise de la COVID-19, des milliards de dollars en argent public vont être investis. On parle de 130 milliards sur 10 ans, dont près de 14 milliards pour l'année 2020. Ces investissements sont certes nécessaires et vont contribuer à financer la construction de nouveaux édifices, notamment pour le secteur de l'éducation et de la santé, mais aussi dans le transport collectif. Tous ces projets vont contribuer à redéfinir l'environnement bâti, les espaces et les milieux de vie, d'éducation et de soins pour les 50 à 100 prochaines années. L'enjeu de la qualité architecturale de ces projets est plus que jamais une question de premier plan, au même titre que l'enjeu de la relance de l'économie. En effet, ces investissements vont définir le patrimoine immobilier des prochaines décennies, tout comme l'ont fait les nombreuses réalisations des années 60-70, qu'on les aime ou non. La APPQ va donc continuer ses représentations auprès des pouvoirs publics, des donneurs d'ouvrages et des intervenants de l'industrie de la construction pour que la qualité et la durabilité de nos ouvrages soient une priorité. Dans ce contexte d'investissement majeur, l'adoption d'une stratégie québécoise de l'architecture devient de plus en plus urgente. Par ailleurs, les architectes et les concepteurs, au sens large, seront des acteurs de premier plan pour contribuer à la réflexion sur la redéfinition de nos espaces privés et publics, afin d'y intégrer cette nouvelle réalité liée à la pandémie que nous vivons. L'architecture de qualité est un investissement durable qui définit notre culture et notre identité québécoise. Elle s'illustre pleinement dans les 25 projets présentés cette année dans le manuel. Vous le verrez, ils sont autant d'exemples de la diversité et de l'exemplarité des interventions des architectes, quelle que soit la taille des projets ou la taille des firmes qui proposent ces projets. Félicitations à tous les bureaux d'architectes qui ont déposé un projet et merci au comité d'avoir accompli la difficile tâche d'effectuer cette sélection parmi les nombreux dossiers reçus. Avant de dévoiler le nom du membre honorifique, je tiens à souligner le soutien de nos partenaires qui, par leur présence dans ce manuel, participent à valoriser cette qualité architecturale. Malgré le contexte économique incertain ainsi que le report de la publication du manuel à l'automne, de nombreux partenaires ont tout de même répondu présents et je vous en remercie.
Alors, il est maintenant temps de dévoiler le nom du membre honorifique que notre association a choisi cette année. Comme vous le savez, ce titre est décerné à une personne engagée qui, par son parcours, contribue à promouvoir la qualité architecturale de l'environnement bâti ainsi que l'importance des architectes dans la société en général. Cette année, le conseil d'administration de l'AAPPQ a souhaité souligner l'importance pour la pratique privée de l'architecture de la coopération avec le milieu universitaire. L'apport de la recherche basée sur les savoirs est en effet essentiel pour pouvoir identifier, qualifier et définir les meilleures pratiques. Le membre honorifique de cette année a joué un rôle de précurseur dans la recherche et la documentation sur le rôle des concours comme outil de création et d'amélioration de la qualité en architecture. Il est titulaire de la première chaire de recherche du Canada sur l'architecture contemporaine. Il est aussi fondateur du Laboratoire d'études de l'architecture potentielle, le LEAP, une des plus importantes équipes de recherche en Amérique du Nord. Les initiés l'auront reconnu, il s'agit de M. Jean-Pierre Chupin. Félicitations, cher Jean-Pierre, et je t'envoie virtuellement le trophée de membre honorifique 2020 de l'AAPPQ. Bravo! Alors, Madame la Présidente de l'Association des architectes en pratique privée du Québec, chère Anne, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration, à vous toutes et à vous tous qui célébrez avec nous l'architecture québécoise ce soir, eh bien, je vous remercie du fond du cœur, je suis extrêmement honoré. Alors, je suis d'autant plus honoré que j'ai choisi de vivre au Québec depuis plus de 30 ans maintenant et que cette terre d'adoption m'a déjà beaucoup donné. Je suis fier d'être professeur à l'Université de Montréal, je suis heureux d'œuvrer la diffusion de vos réalisations architecturales. Et j'aimerais partager cette reconnaissance immédiatement avec les chercheurs et les étudiants du laboratoire d'études de l'architecture potentielle. Comme la pratique, l'enseignement et la recherche sont d'abord des aventures collectives. Alors, c'est la deuxième année consécutive que l'Association des architectes en pratique privée du Québec reconnaît l'importance de la recherche. Et je crois que c'est un signe de maturité, de la grande réflexivité de l'architecture québécoise. Vous connaissez mes incursions dans la critique. Vous savez que je n'hésite pas à critiquer l'organisation des concours et depuis peu l'organisation des prix d'excellence. Alors je ne critiquerai pas ce prix parce que je ne travaille pas sur les prix octroyés à des personnes. Je me consacre au prix qui célèbre la qualité des édifices. Mais je crois que c'est mon devoir d'universitaire d'assurer que la relève ait confiance dans nos institutions. En ces temps de remise en question de la vérité, il est très important que les universitaires, disons, maintiennent une exigence de rigueur scientifique et d'esprit critique. Alors, c'est important de soutenir la critique en architecture, puisqu'il n'y a pas de qualité sans critique, mais il faut également soutenir la recherche et la formation à la recherche. Il faut reconnaître qu'il y a de multiples métiers de l'architecture. Alors, bien sûr, la construction restera toujours la façon la plus concrète de changer le monde. Mais la pandémie que nous subissons aura au moins le mérite de révéler que la qualité de nos espaces de vie et de travail doit être repensée et le logement ne sera plus le même après ce choc mondial. Alors il faudra redoubler d'efforts, de collaboration entre les professionnels et les chercheurs. Il faudra intégrer plus de recherches dans les bureaux, quelle que soit la taille des bureaux. Dans les années 70, les bureaux québécois les plus en pointe n'hésitaient pas à intégrer des chercheurs de diverses disciplines. Alors je profite de l'attention de ce que vous m'accordez ce soir pour vous remercier de cet honneur, mais également pour vous inviter à soutenir la recherche qui se fait dans nos écoles et qui reste fragile. Et là je parle surtout d'un soutien intellectuel. En fait, la recherche architecturale reste peu reconnue par les organismes subventionnaires et les disciplines scientifiques, quoi qu'on en pense. Et je crois que c'est lié au fait que cette reconnaissance ne se manifeste pas assez dans les bureaux professionnels. Alors, quand vous sentez que vos jeunes collaborateurs désirent s'engager dans une voie un peu plus scientifique, un peu plus réflexive, alors il faut les encourager à pratiquer autrement. Je souhaite que votre générosité d'architecte se manifeste par un accueil renouvelé, à plus de recherches et plus de critiques, car ce sont deux vecteurs fondamentaux pour la reconnaissance de la qualité et de la valeur sociale de l'architecture. Alors, un grand merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et je suis extrêmement honoré.
Et merci beaucoup, M. Chupin, pour ces bons mots et toutes mes félicitations. Vous rejoignez le club des membres honorifiques de la PPQ, c'est une dizaine de personnes, hein, Julien. Il est maintenant temps de découvrir les 25 projets sélectionnés. La qualité architecturale, la valeur du travail des architectes, l'importance de la collaboration, c'est pour continuer à valoriser ces éléments que nous publions chaque année, des réalisations exemplaires dans le manuel de référence de la PPQ. Effectivement, dans un instant, vous allez découvrir ces 25 projets. Ils témoignent tous du talent et de la créativité des architectes, de la diversité de leurs interventions, ainsi que le professionnalisme et leur implication pour accroître la qualité de notre environnement bâti. Tout à fait, mais ces projets n'auraient pas pu voir le jour sans évidemment la volonté des clients, qu'ils soient privés ou publics, et qui ont accordé leur confiance aux architectes. Ces projets s'appuient aussi sur des équipes multidisciplinaires, des consultants, des ingénieurs, des entrepreneurs généraux et spécialisés, des fournisseurs, etc., qui collaborent dans un objectif commun de réaliser des projets harmonieux, durables et fonctionnels. Alors, quelles sont ces réalisations significatives? Découvrons-les maintenant. Thank you.
Un grand bravo à tous les bureaux d'architectes qui ont un projet de sélectionner et félicitations également à tous ceux qui ont déposé un projet pour le travail du comité de sélection. Ça n'a pas dû être facile. J'en profite pour les remercier et pour les citer, tous les membres de ce comité de sélection. Nous avons Richard Delariva, Lisa Tremblay et Lynn Parent, toi-même. Je crois qu'avec tous ces projets, nous avons la preuve que les architectes sont des créateurs de valeur. Mais si nous, nous le savons, nous nous rendons compte que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Effectivement, Julien, le rôle de l'architecte dans la réalisation d'un projet de bâtiment est trop peu connu, que ce soit lors de nos représentations auprès d'instances publiques ou politiques ou à l'occasion d'échanges avec les donneurs d'ordre ou avec d'autres acteurs de l'industrie de la construction ou bien quand les membres nous parlent de leur quotidien. Nous pouvons mesurer à quel point le travail des architectes fait l'objet de fausses perceptions, est incompris. Souvent, très souvent, c'est la dimension artistique ou esthétique du travail de l'architecte qui est la mieux connue, mais c'est inexact de se limiter à ce seul aspect de leur intervention. Effectivement, un architecte, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'abord un concepteur qui doit traduire les besoins de clients et d'usagers en espace harmonieux et durable. Oui. C'est un professionnel ou une professionnelle qui doit concilier des enjeux d'intégration dans un environnement et dans un paysage et les impacts sociaux et économiques d'un projet, tout en maîtrisant les aspects techniques liés aux matériaux et à la construction. C'est aussi un responsable de projet qui va coordonner et surveiller la multitude d'intervenants prenant part à la planification, à la conception, à la construction et à l'entretien des bâtiments, du client aux entrepreneurs généraux et spécialisés, en passant par les ingénieurs et les autres spécialistes. Oui, c'est un gestionnaire aussi qui doit concilier maîtrise des budgets et des échéanciers, tout en assurant un contrôle de qualité et en représentant les intérêts de son client. L'architecte est un créateur de valeur qui donnera un caractère distinctif et unique à un ouvrage dans une perspective de développement durable. Donc, pour sensibiliser un maximum de personnes à ce que fait un architecte, la PPQ a souhaité que les talents et savoir-faire illustrés dans les pages du manuel puissent rayonner davantage et ainsi contribuer à démystifier notre secteur. C'est pourquoi, et je suis très fière de l'annoncer, nous avons produit 5 capsules vidéo sur des projets sélectionnés à partir d'entrevues avec les architectes qui les ont conçus. Tout à fait, Lynn, et la PPQ diffusera à partir de la semaine prochaine une série de 5 capsules vidéo. À travers donc des exemples concrets de bâtiments, les architectes vont nous expliquer leur démarche, les défis relevés et l'importance de leur travail pour le succès des projets. Chaque semaine, une vidéo sera dévoilée et elles pourront rejoindre un plus large public. Alors, restez à l'écoute de nos réseaux sociaux et de nos infolettes pour découvrir comment les architectes peuvent réaliser des projets inspirants. Oui, c'est aussi pour promouvoir le travail des architectes que la PPQ est partenaire du dossier architecture de l'édition du 28 octobre du journal Les Affaires. Ce dossier est consultable gratuitement en ligne sur le site Les Affaires. Alors Lynn, maintenant, je crois qu'il est maintenant temps de découvrir quel est le projet qui a été choisi pour faire la couverture du manuel. Oui, roulement de tambour, Julien. Alors le projet choisi, c'est l'un des coups de cœur du comité de sélection, bien sûr. Il illustre parfaitement l'importance d'accorder une attention particulière à la qualité architecturale partout et pour tout type de bâtiment, même sur nos terres agricoles, comme le mentionnait Anne Carrier tout à l'heure. Conscient que la construction d'un nouveau bâtiment sur le terrain de leur ferme allait transformer le paysage rural, les clients voulaient une intervention qui s'y intègre parfaitement, tout en créant un environnement agréable pour les animaux et les travailleurs. Ils ont donc fait appel à des architectes pour concevoir leur nouvelle étable, même si cette approche n'est pas usuelle, évidemment, pour ce type de bâtiment. Et le résultat est remarquable. Donc, le projet qui fait la couverture du manuel 2020 est… Si on était au cocktail, ici, là, on entendrait un petit buzz, c'est quand ça. Même. Les gens sont fébriles. Donc, le projet, c'est Au gré des champs par la chaîne d'architecture. Un grand bravo aux architectes et aux clients pour l'audace. Je crois d'ailleurs que les architectes sont présents avec nous grâce à la magie du numérique. Ils vont pouvoir nous dire quelques mots. À vous la parole. Alors, on est très contents, super fiers de faire cette année la page couverture du guide. Alors, un gros merci à la APPQ.
Et un merci tout particulier à nos clients, la fromagerie au Clé des Champs, un client vraiment extraordinaire avec qui on a une super belle collaboration et sans qui tout ça n'aurait pas pu être possible. Donc, un grand merci. Et merci à l'équipe de la Chède et encore bravo pour ce projet inspirant. Julien, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer à quoi ressembleraient nos campagnes et nos villes si tous les propriétaires et donneurs d'ouvrages, qu'ils soient privés ou publics, avaient la même conscience de l'impact de leur projet de construction sur notre patrimoine bâti et notre environnement. Effectivement, Lynn, d'ailleurs, ce projet fait partie de la série des capsules vidéo qui seront diffusées dès la semaine prochaine. Vous pourrez en savoir plus sur les interventions des architectes et les défis qu'ils ont relevés. Il est maintenant venu le temps de clore ce lancement virtuel. Alors, je prends un verre. D'accord, il est temps de trinquer. S'il y a des gens à la maison, j'espère que vous avez prévu le petit verre de blanc ou le rouge. J'aimerais en profiter pour signaler que tous les projets du manuel sont aussi visibles sur le site Internet de la PPQ et il est aussi possible de télécharger la publication. Vous pouvez aussi trouver un architecte en fonction de votre besoin sur aappq.qc.ca. Tout à fait, les liens devraient apparaître dans les commentaires du live, donc vous n'avez plus qu'à aller regarder. Nous souhaitons remercier chaleureusement les partenaires du manuel de référence qui contribuent à rendre possible sa publication. Merci également au Fonds de solidarité FTQ qui est partenaire présentateur de l'événement de ce soir. C'est aussi grâce à vous que nous avons pu organiser ce lancement virtuel. Enfin, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous espérons pouvoir nous voir prochainement en chair et en os. Alors, bonne soirée à toutes et à tous. Oui, merci à toutes et à tous. Bonne soirée et à tout bientôt. À la qualité architecturale. Oui, Julien, à 2 mètres de distance. Tchin tchin. Tchin tchin. Bonne soirée.